Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Bandeko Nabiso, Mbotenabinoyonso, Makambo, Ezaebele, Basango Ezaebele, Basango Yamboka, Batitre Ezaebele, Doto Pola, Batitre Ezali, moi important. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, rebonsoir, pourquoi pas, ou rebonjour. Ça dépend de l'endroit où vous êtes, où vous vous trouvez sur la planète. Voilà, mes chers compatriotes, nous allons parcourir l'actualité commentée à notre façon avec notre point de vue de TV du peuple RD Congo. Alors, nous allons parler de la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Pour nous, c'est une rencontre de façade, une sorte de stratégo où chacun joue sa partition avec ce qu'il cache derrière. Nous allons nous expliquer. Ensuite, nous allons parler du malaise de l'UDPS, de l'audition de Zoé Kabila, etc. Voilà, chers compatriotes. Chers compatriotes, nous, de la TV du peuple RD Congo, nous considérons que cette rencontre entre Félix Tshisekedi et l'ex-président Joseph Kabila, alias pour nous, nous considérons que c'est une distraction stratégique de la part du président Félix Tshisekedi, ou une stratégie de distraction. Je m'explique. Vous savez, le peuple est au courant que Kabila et toute sa compagnie créole, ils ont tout fait pour éliminer Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi sait très bien que les compagnons de Joseph Kabila, ils ont tout fait pour l'éliminer et pour récupérer le pouvoir, mais ça n'a pas marché. Il y a des rumeurs et des fuites selon lesquelles la première dame Denise Nyakero se confia à ses proches comme quoi si on ne priait pas on serait mort depuis longtemps. Le peuple, y compris même la base de l'UDPS, nous allons vous faire entendre une vidéo des parlementaires debout. Ils ne veulent rien savoir de cette coalition. Et même en regardant cette photo, regardez, regardez. Il y a le président Félix Tshisekedi là-bas. Il y a Vital Kamerhe. Il y a François Béa. Bon, c'est Lucie qui prend des notes. Il prend des notes pour qui? Pour Kabila ou je ne sais pas. Bon, bref, c'est comme s'il était venu seul. C'est l'attitude d'une personne qui serait venue demander secours. Pourquoi Kabila ne se fait pas accompagner? Il arrive là tout seul, son coordinateur n'est pas là. Némi Mouilagna. Le grand coordonnateur du FCC. Puisque lui, il appelle l'autorité morale. Donc, vous comprenez que là, c'est du bluff.
et les parlementaires debout parlent de non-dits. Félix Tshisekedi a posé plein de questions à Joseph Kabila. Hein. C'était vraiment un interrogatoire. Voilà. Donc les deux utilisent une certaine stratégie. Pour Kabila, il faut maintenir la coalition. Il vient supplier l'autre. Il pense que l'autre est capable de détruire cette coalition parce que sa survie, la survie de Kabila, dépend de la coalition. Et en même temps, il joue, je sais pas, il tempère pour peut-être peaufiner ses stratégies d'élimination de Félix Tshisekedi. Pourquoi il tient à ça, ou il sent une pression sur lui selon laquelle on pourrait l'arrêter. Et en même temps, Félix Tshisekedi endort Joseph Kabila, ne t'en fais pas, je te protège. Il n'y a pas de coalition FCC cash. Les deux se trouvent dans des positions stratégiques dont ils connaissent les secrets. Les deux. Mais nous savons déjà que Félix Tshisekedi sait très bien que Kabila risque de se faire arrêter avec cette histoire d'achat d'armes où ils ont questionné Zoé Kabila qui cite son frère. Vous voyez? Mais lui, il nie tout. C'est du n'importe quoi. Lisons un peu ce que le président Félix Tshisekedi a dit là-dessus lui-même. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Félix Tshisekedi a fait un débriefing de sa rencontre le jeudi 12 mars 2020 à la cité de Lancelé avec son prédécesseur, Joseph Kabila Kabangé. Auprès des membres du gouvernement, le chef de l'État a évoqué une ambiance de fraternité et de convivialité. Chers compatriotes, est-ce que vous croyez à ça? Ce n'est pas de l'hypocrisie, ça? Une ambiance de fraternité et de convivialité. Moi, je dis une ambiance de fraternité et de convivialité hypocrite. C'est un jeu de cache-cache. D'accord. Qui a caractérisé cet échange, qui a permis aux deux personnalités de passer en revue les couacs qui minent la coalition au pouvoir? C'est pas des petits couacs, hein. C'est pas des petits couacs. Le président Félix Tshisekedi a failli laisser sa peau. Il a failli laisser sa peau. Oui, bon, il s'adresse à un public, au public congolais, le peuple, qui ne veut pas du tout de cette coalition. Il joue le calme. Il veut calmer la situation, mais calmer qui? Calmer peut-être un Kabila, dont aucun Congolais ne veut la présence au Congo, parce que tant qu'il est là, il y a tout ce qui se passe à l'Est. Et tous ces complots pour éliminer Félix Tshisekedi. Très bien. Aux membres du gouvernement réunis en conseil des ministres, Tshisekedi a ajouté que les éclaircissements nécessaires au renforcement des actions au bénéfice de la population ont été apportés. Très bien. Kabila a apporté des éclaircissements, mais c'est du mensonge. Il nie tout. Il dit, par exemple, comme disent les parlementaires, c'est vous que, oh, mais s'il y a des ministres qui se comportent mal, des ministres du FCC, ben arrête-les. Ah, c'est dur, mon Dieu. Ok, chers compatriotes, donc sachez-le, ça, c'est un jeu stratégique pour calmer la population ou calmer l'un et l'autre. Mais c'est un jeu de stratégo. Stratégie.
Mais finalement, c'est le président Félix Tshisekedi qui va gagner dans cette stratégie. S'il anticipe et s'il est rapide, hein, parce que s'il anticipe pas, s'il n'est pas rapide, c'est lui qui sera avalé, c'est lui qui va laisser sa peau. Hein. Voilà, chers compatriotes, pour notre point de vue. Voilà, chers compatriotes, nous allons quand même vous lire ici ce que nous avons vu dans le média sur les déclarations, les impressions du président de la République sur leur rencontre en solo, bien sûr, parce qu'il ne s'agit que ces deux-là. Donc, le président Fachi et JKK, ou Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Pour lui, c'est comme si de rien n'était. Donc, ils ont vu la crispation à la baisse avec cette rencontre, selon lui. Écoutez, ensuite va suivre le compte-rendu du directeur du cabinet du président. De la rencontre entre les deux hautes personnalités de la coalition CACHFCC, à savoir le président de la République, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ancien président de la République, son Excellence Monsieur Joseph Kabila Kabange. Il s'est tenu compromis entre les deux hautes personnalités. Ces signataires de l'accord de coalition CACHFCC, ce jeudi 12 mars 2020, à la cité de l'Ancelé, à Kinshasa, une importante rencontre. Des points importants étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir 1. Évaluation de la mise en œuvre de l'accord de coalition CACHFCC. 2. Dispositions à prendre pour la décrispation politique et la bonne marche de la coalition. S'agissant du premier point relatif à l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord de coalition CACHFCC, les deux hautes personnalités ont constaté qu'il y avait réellement un malaise dans les fonctionnements de la coalition, malaise dû essentiellement au malentendu, à certains agissements, à certaines sorties médiatiques inappropriées et aux incidents survenus à l'égard des personnalités FCC à certains postes frontaliers. Tout en regrettant ce comportement, les deux autres personnalités ont dissipé le malentendu et pris l'engagement à mettre tout en œuvre pour que ce genre d'agissement déploré ne se reproduise plus. Les deux personnalités ont également regretté le décès du général-major Delphine Kayumbi et attendent avec diligence les conclusions de l'enquête en cours pour élucider les circonstances de la survenance de ces malheureux événements. Les deux personnalités ont enfin, dans le cadre de l'évaluation de l'accord, abordé la question de la nomination des mandataires à la tête des entreprises du portefeuille de l'État et convenu de privilégier les critères de compétences et d'intégrité morale à celui d'appartenance politique, pour ainsi éviter la politisation du portefeuille de l'État, outil important pour la gouvernance du pays. 2. En ce qui concerne les deuxièmes points relatifs aux dispositions à prendre pour la décrispation politique et la bonne marche de la coalition, pour éviter que ce genre de désagréments ne se reproduisent dans l'avenir, les deux hautes personnalités invitent les acteurs politiques des deux regroupements politiques, CACH et FCC, à œuvrer dans l'esprit d'entente et de cohésion pour contribuer à une bonne mise en œuvre de l'accord et par ricochet à la paix et la stabilité, ingrédients essentiels pour la bonne marche du pays. Par ailleurs, les deux personnalités ont décidé de mettre à un niveau élevé un cadre permanent de concertation. Pour terminer, les deux hautes personnalités ont décidé de mener des réflexions dans le cadre de la coalition pour la réforme de la loi électorale et de la CENI. Commencée à 15h,
cette importante rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance empreinte de convivialité et de respect mutuel a pris fin à 18h30. Fait à Kinshasa, Victor Kamere, Bakayiki Nkingi, directeur du cabinet de chef de l'État, je vous remercie. Eh bien, chers compatriotes, vous avez entendu, mais ce n'est pas le même son de cloche chez les parlementaires debout qui publient des informations à la mode de chez nous, à la base. Alors, ils ont des documents écrits sur lesquels ils ont les informations de la presse et les informations qu'ils ont recueillies à partir des fuites. Alors, il ne faut pas négliger ces informations parce que, bon, les parlementaires debout, c'est les gardiens du temple, ils sont au courant de beaucoup de secrets. Alors là, ils parlent des non-dits. Ils parlent des non-dits. Écoutez vous-même, chers compatriotes. Fatibé, Yaya, Asa Béton, Marambagé Nango, Mamamouté, Makambaso Kené Nango, Apadelou. Pour Solo Tali, Siko, Fatibé Béton, Asa Déterminé. Mamoussou Saboy Koloba, Aboy Akoloba Lissoussou. Pourquoi à comprendre que même au sein de nous, tous en avons pas commandé. Je vais passer une formation à ça, à ça, à ça, à ça, à ça, à ça, à ça. Alors, il faut que nous rencontrions au Fatih Béton, Bakouta Ina Kana Béton, Kana Mende, tout le monde va vous Moukama. Moukama, tu es. Dans nos rôles, on va auditionner Kabila. Pour aller à la audition. Donc, à ça, garant, il y a bon fonctionnement des institutions. À ça, il y a sous magistrat suprême. En tant que magistrat suprême, a auditionné Kabila. A ici Kabila, il est en complot, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Kabila, il est en train de se faire. 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 Aïe, parce que Kaïmbi déjà demi-plan. Alors, on est toujours là, Kaïmbi. Maman, surtout à Tika qui déjà en haut. Mais ma combo n'a pas fait venir. Kaïmbi, il fallait rappeler ça à Koufi Nathan. Parce qu'on est toujours là, ma tante est en Rwanda. Maman, on est toujours là, ma tante est satée. Oh, Bakinda, oh, Iba. Oh, tu peux dire, bébé, on a un an, il y a un centenaire, mais il va quitter. Il te fait ses vivants. Donc, il faut que tu aies un bon matin. Ah, tu as un bon matin. Il y a un autre qui va te faire un bon matin. Il faut que tu aies un bon matin. Toujours dans quatre actualités politiques, on a mis chef de l'État. Chef de l'État, je reconnais que tu as un bon matin. Police à Gombe. On m'a dit matricule la ville en gauche. Vous êtes à la tracasserie. Tipouana, Tipouana. Pourquoi la matricule en gauche? Tipouana en gauche. Ne sont que les boutiques à pas du verre en gauche. T'as la type matricule en gauche. Tracasserie la ville. Mihibi. Matricule la ville en gauche. Ne sont que les boutiques à pas du verre en gauche. Tipou la ville en gauche. Mihibi. Chaque jour, la boutou. Yo, Moutou, yo, ko capitaine, vous êtes un type, vous êtes un sang, 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 vous gombe. Un sang, vous êtes un sang, vous il est père, c'est viva. Alors, des Félix, c'était dit à Elissi Kanam de Boulou. La Sali pour reconnaître malaise au sein de notre coalition. Alors, quand la tienne en a zone de la coalition, la zone même où tu n'as dans le cadre permanent, il y a concertation. Pour avoir le président de la République, il y a sous la posa, il y a coalition. Coalition, chef de l'État lobby, a en désarrêt, a évalué la coalition et pour aider la Yo. Mais il y a aussi un peu de sang. On se reconnaît, 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 on se reconnaît,
Alors, les gens, ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des qui ont des gens qui ont des gens qui ont des Vous avez la compétence, il y a vos dirigeants de Christel, vous avez la compétence, alors vous avez la salle en position. Alors pour vous nommer Bango, il faut que vous fassiez trois noms. Il te fait ce FIFA, il te fait trois noms, il est monté à Copolana, il est monté à Selon la gamme de Bango. Alors, l'entreprise est monté à Suana, et ça m'a entreprise à Niké. Ils sont des tous les deux, ils sont là à Kamboka. Alors il y a Bango, il est à Suana. Elle s'est dit que nous présentons le directeur de la banque. La combo à Thierry Taïmas. Voilà, merci papa. Lobby acheminé dans Makala. Au dernier an, nous n'avons pas l'état peuple. Alain dans Makala lobby. Pourquoi? Parce que Azali Otobengi, directeur général de la banque. Place Otobengi dans la combo à Platner, David. Nous n'avons pas l'état peuple. Alain Makala lobby. Pourquoi? Parce que Azali Otobengi, directeur général Yara Bank. Place Otobengi na Congo ya Platinum David abandonné que ça la transaction moni. Alors les banques pas na yeko ba senga mo ba transaction na ba numéro na ba récit. Ya boya ki. Alors Azali na kati ya Otobengi détournement. Bo bango ba zimbo ngwana yo ko ifala ki ba futa ba 10 dollars par jour. Je suis un peu plus de temps. Les fournisseurs de cartes d'électeurs aux ADF arrêtés. Tout le monde a dit que ça va ADF, la carte d'électeurs, la carte qui est lobby. Pour Andes Aboué, le Rwanda, le Ougandé, la carte d'électeurs en tant que Congolais. Au Bakangiwana, a sali grand fournisseur na Bango. Donc, ceux qui sont suspects, ils sont en train de se faire.
Azali arrêté. Alors il faut maintenant, tout l'andela. Pour ça, c'est un moulaï. Malobi, et ça, c'est un moulaï. Pourquoi? Yé, Azali, copé, sa mango, moutou, ma casse, ce qui va adhérer, pas yé. Parce que c'est un renseignement. Alors, on a renseignement, on va faire si ce qu'on a FADC dans l'abissot. Batimbele qui déjà, du côté, on va faire ce qu'il y a. Il faut que mon conjoint soit déterminé. Mon conjoint doit comprendre que Kaname n'a pas ministre naïe. Azali Koso Otobengi ma instruction à Kingakat. Ce que aux appelants politiciens Makas, jusque là, mon conjoint Kaname a signé lettre au SOP sa fonctionnement dans le gouvernement à Ilou. À Monique, n'a pas signé le côté pour vous en faveur, et vous en faveur, il y a Badouana. Parce que vous avez un côté pour vous en faire. Et si vous avez un ministre, 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 vous Alors faut comprendre que non, si il y a un scénario, moi, je tant trop bon on a bâmerqué Bazawana. Pour Kabila, va connu Kolandela est partout. Et puis, Bazolo, va connu la chèle mahala, la soute, la Kingakata, Bazo est batté. Alors, la soukounate. Donc, à commune, telantela. Il y a un qui bango, papa est tien à l'oubaki. Kabila, à côté, il y a un peu de bananaye. À Sala qui gagne, il y a 5 personnes. Il y a Mimbalé, 3 personnes. Il y a Souka Mimoni et Moko. Donc, mon âge, son chèbon, à quel côté, na fati béton. Il faut que les gens soient bloqués. Les Américains soient bloqués. Ils soient bloqués. Ils soient bloqués. Ils soient bloqués. Il y a un homme qui a été frappé encore. Il y a un homme qui a été frappé encore. Il y a un homme qui a été frappé encore. Il y a un homme qui a été frappé encore. Il y a un homme qui a été frappé encore. Il y a un homme qui a été frappé encore. Il y a un homme qui a été frappé encore. Il y a un homme qui a été frappé encore. Il y a un homme qui a été frappé encore. Il y a un homme qui a été frappé encore. Il y a un homme qui a été frappé encore. Il y a un homme qui a été frappé encore. Il y a un homme qui a été frappé encore. Il y a un homme qui a été frappé encore. Il y a un homme qui a été frappé encore. Il y a un homme qui a été frappé encore. Il y a un homme qui a été frappé encore. Il y a un homme qui a été frappé encore. Il y a un homme qui a été frappé encore. Il y a un homme qui a été frappé encore. Il y a un homme qui a été frappé encore. Il y a un homme qui a été frappé encore. Il y a un homme qui a
Trafic d'armes. Fatiba Pessie Mitin en Afrique, non? Atia Kimia, Atia Pena Katia Est. La grande là. Tu crois qu'on comprend un gouverneur dans Yemoko. À côté ici, Mindouk. D'ailleurs, les abats Mindouk, elle va jeter. Mindouk, il y a un socle, les livres, place aux arcs au soumban des hommes. Ce qui est allé en Opena. Alors, des armes, trafic d'armes. So est quoi l'inga que Yemoko, il y a un yo qui va s'arrêter auditionné. Présent, j'ai la tangue de Soué Kanam Bena auditionné dans le Conseil sécurité national et la sécurité. Pour deux ans, Kanam Bena a monique non AAP, dans la prison, à ciel ouvert. Pour Ayebi déjà se reconnaître, Yaya, yo là la bien Kabila là la rassouté. Ok, en somme, chers compatriotes, Boyoki Binomokon, donc peuple, base, donc Bazali quoi interprété. Rencontre wana nandenge na bango nandenge oyo ezali komona na keko ki kozala ya solo donc bazali ko interprété en faveur de du président Félix Tshisekedi donc comme si c'était ezali stratégie naye et puis bon makambo baebisi la presse officiellement donc eko kanite na oyo bango moko baebi ke bon ba solo la ki déjà ba pekisa ki bakanga ba photo même moto ya bimisi photo wana ba sepeli na yete donc makamosus ba sololi ba bombi voilà alors quant au président de la République yemoko yebi que peuple aligne coalition wana te peut-être que yemoko aligne en côté il faut dissoudre le parlement. Même bah Frank Diongo donc bazoze la dissolution du parlement même peuple la majorité bossa la binomoko sondage balingi coalition en até parce que président Fatshi ceux qui a kébité bakobomaye parce que agenda il y a Joseph Kabila ezali baboma Félix Tshisekedi. Donc, ceux qui a l'imbissimiso, ceux qui a anticipé, m'a talié. Donc, il est averti. Il paraît que Azamoutou Makasi va conseiller Naye, Bazali Kopé, ça y est, va conseiller, va plan, pour la Kobanya Batouana, Azoboya. Il paraît que ceux qui a solo, il y a bah, américain, Azongi na Congo, Makamosu, Azo Salate. Bon, je ne confirme pas ça, mais Ezali Bafouite Zobi Makuna, qui est Azamoutou Makasi, Félix Tshisekedi. Bon, tu es habité au Basolaka Bangomi Balina, na Joseph Kabila, mais Azamoninga n'a été. Voilà, si Koyo, Vital Kamere, a commis Kopé sa Basango, bah compte rendu, c'est quoi ça? Peuple Azotalaye Neti Moibi. Vital Kamere, Azali Moibi pour la peuple, même pour la biso nyonso. Parce que na ba rapport nyonso bazali kotanga kombo na ye. Mais si ko a komi koloba officiellement, na esika ya Jolino Makelele, toyebi ke, bon, a yebi ko samusala na yebi ate, mais ça c'est quoi? Azali ko blanchir ye, ko nettoye Vital Kamere ou bien quoi? Tant que Félix Tshisekedi ne se sépare pas de Vital Kamere, vraiment, il est à Zélaté que na 2023, peuple à cause de la côté naïe. Voilà, c'est notre point de vue. Voilà. Sikoyo toko. Toko kota na coronavirus. Voilà, il apparaît en pleine lumière, chers compatriotes. Que la présentation de l'arrivée du coronavirus à Kinshasa s'est avérée être théâtrale. C'est-à-dire que bon, la personne arrive, elle n'est pas examinée à l'aéroport du tout. La personne arrive à la maison, se rend dans la famille. À partir de son hôtel et après la personne se sent avoir la fièvre, la personne se dirige vers l'hôpital de Galiema, on examine la personne,
on n'examine pas d'abord la personne. La personne dit que j'ai de la fièvre, j'ai tous peut-être, et ensuite on lui prescrit juste des médicaments. La personne retourne à la maison. C'était peut-être un week-end, on lui a dit qu'il n'y avait personne qui pouvait faire des examens de laboratoire. Il revient le lundi quand même, et quand il revient, ça n'a pas été. Il retourne à son hôtel, et puis il voit ensuite, des heures plus tard, des gens débarquer avec une seringue qui se casse curieusement. Mais la seringue s'est cassée comment ? Sur la peau ou bien de quelle façon ? Après, ils prélèvent juste la salive et ils s'en vont et ils disent que la personne est positive. La personne, au moment où la personne est prise en charge et emmenée vers l'hôpital chinois de Chili, la personne n'a plus de fièvre, la personne ne tousse même plus. Et quand notre compatriote de Bosolo, la politique, l'interroge, il se rend même sur place, il se rend compte que le citoyen congolais métis, provenant de la France et non de la Belgique, que cette personne se déclare ne pas être malade, cette personne côtoie les membres de famille, sa femme est là, avec sa fille, qui ne sont pas du tout malades. Et voilà, le ministre de la Santé, surmédiatiquement, déclare tout simplement que le coronavirus est là, et que le sieur est atteint du coronavirus. Et aujourd'hui, il s'avère que la même personne déclare le contraire, ou plutôt sa femme. Sa femme déclare que oui, c'est vrai, mon homme était malade, il avait le coronavirus, il est guéri. Regardez-moi, moi, je ne suis pas malade, hein. Je suis sain et sauf. Moi et mon bébé ne sont pas malades. Lui, il était malade avant, maintenant il n'est plus malade. Voilà, tout cela paraît théâtral, on ne connaît pas la vérité, mais ce qui est plus important ici, c'est de quand même suivre les consignes qui sont très importantes dans la prévention de cette maladie. Et n'oublions pas de noter que le docteur Muyembe a dit que ce virus ne survit pas à la température africaine. Et sauf erreur de ma part, jusqu'à présent, on n'a pas enregistré un Africain de peau noire qui est décédé du coronavirus. Mais nonobstant, nous allons quand même vous présenter une vidéo qui a fait paniquer toute la commune de Djili à partir de l'hôpital. Une panique générale, il y a eu des fuites. Même des bébés qui étaient dans des couveuses ont été emportés vers les domiciles. Regardez, chers compatriotes. Le voilà, le Congolais métis qui est revenu de la France. Il a 52 ans. Il disait qu'il n'était pas malade. Voilà. Donc, c'est pas.
mais je ne sais pas comment ils ont procuré ces photos-là. Donc moi, je suis ici, je suis avec vous ici. Je ne sais pas comment ils ont fait. Vous savez, aujourd'hui, c'est... les réseaux sociaux, c'est très fort. Mais vous vous dites un problème et quoi, Yaka, pour tenir sa loca, les cas de gauche à droite. Moi, tant que là, je me mets dans ma tête, la mission à l'instant, il y a tout le là. Donc, toi, la mission à l'instant, on doit être testé. Moi, la salle est testée, mais moi, la salle bonne santé, parce que la salle ni la fièvre, ni la cosso-cosso, ni la septembre, moi, il y a coronavirus. Après, la base avec une amour, mais là, elle a déjà guéri. Donc, la peine que l'on s'est dérangé, la pinoté, donc voilà, elle a guéri. Voilà, chers compatriotes, vous avez entendu, ils ont changé de langage. Maintenant, la dame dit que le compatriote congolais était malade. Peuple congolais, soyez tranquille et calme. Nous sommes à l'hôpital. Il n'est plus malade. Voilà, moi, je n'ai aucun symptôme. Je n'ai pas fait de test. Mais elle est sûre qu'elle n'a rien, que l'enfant n'a rien du tout. Et pourquoi le langage a changé, on ne sait pas. Est-ce que c'est de la corona-corruption? On ne sait pas. Au Congo, tout peut se passer. Et voilà, Vital Kamerhe est en voie d'être blanchi parce que maintenant, il fait des comptes rendus officiellement. Le président ne le prenait plus ni dans ses voyages, ni dans ses concertations avec Joseph Kabila, et voilà, il était là. Ça, c'est le Congo. Nous exhortons le président de la République de s'éloigner des antivaleurs et de suivre son mot d'ordre, ou le mot d'ordre de son père, le peuple d'abord. Le peuple ne veut pas de Vital Kamerhe, le peuple ne veut pas du tout de la désinformation de la part d'un ministre de la Santé. Normalement, il devrait démissionner parce que tous les tabloïds montrent que il a fait de la communication d'une façon théâtrale. Donc, il n'y a aucune preuve que notre compatriote était malade. Et voilà, il s'est précipité à aller dans les médias parler du coronavirus au lendemain de la déclaration de l'OMS selon laquelle il y avait 19 milliards de dollars à la disposition des pays touchés. Voilà. Chers compatriotes, nous terminons par un bonus. La veuve Kassalou, maman Marthe Kassalou, s'est adressée à la population de Mbujimayi pour remercier du fait qu'ils ont pleuré ensemble feu Étienne Tshisekedi et exhorte la population du Kassai à soutenir le président de la République Fatshi. Le président Fatshi ne les a pas oubliés, il viendra s'occuper d'eux. Voilà, regardons. Je suis venu à la maison.
Amen. Amen. Voilà, nous terminons par une fuite d'informations selon laquelle Zoé Kabila a été auditionné par le Conseil national de sécurité. Oui, mais ça, ce n'est pas une fuite. La fuite, c'est que c'est fini pour lui. Il est désormais en résidence surveillée et qu'il ne va plus retourner à sa province de Tanganyika où il est jusqu'à présent gouverneur. Alors, sera-t-il suspendu? On ne sait pas. Sera-t-il blanchi par le président Félix Tshisekedi? On ne sait pas. Est-il que l'importation des armes est une haute trahison? Voilà. Nous terminons par ici, chers compatriotes. Alors, chers compatriotes, au revoir. Boutika la malamou. Benobikanambote, Wandugwapenzi, tout Namalisa, tout à Onana, Kesho, Pampankiamono Yaluzoro, Benobikanambote, Betout à Molana, Mbas. Bala Betuba suivez, Chalai Bip, Nitumonan, Chikondo Chikwabu vidéo, Mukwabu, Ana Lingo Amboshila.